On a un moyen de monter. Ça compte pas dans cette zone, j'ai l'impression. Ou alors c'est dans le bâtiment avec le... Il y a encore le kamikaze là. Ah non, c'est Jean-Jacques Lacorne. Énorme. Oh, c'est dans ce bâtiment là. Alors c'est ici. Non, ça a pas l'air. Non, c'est peut-être dans le bon cristal du coup, hein, qu'il est ce... Ce gars là. Cette larve là. On va plutôt aller dans le mont cristal alors. Hein. Tentons. Ouf. Parce que si les larves peuvent me refiler un autre minerai pâle, ça me permet d'améliorer encore l'aiguillon. Et ça, c'est beau. Parce que les dégâts, c'est la vie. Ouais, il est comptabilisé là-dedans. Ah oui, il y a un petit passage. En effet, ici, il y a un petit passage que j'ai jamais pris. Il doit être par ici, du coup. Ah, on l'entend. Quelques géos par ici. Il est là. T'es sauvé. Oh. Oh non, c'est un faux. Saras. Ça dégoûte. Là, il y a peut-être le vrai. Oh non, les faux. Moi ça me... C'est vrai? Oh, c'est un vrai faux. Non, moi les faux, ça me bad. Hein. Parce que les larves sont juste trop mignonnes. Elles font des bruits trop choupis, là. Et pour que je dise ça d'un insecte, c'est quand même beaucoup. Et le fait que ce soit... En plus, j'imagine que c'est une larve qui est infestée, c'est pas juste un monstre qui a pris l'apparence d'une larve. Ça me fait bader ma race. Ok, donc lui, c'est fait, énorme. On va retourner à Dirtmoose, comme ça on va prendre la station. Et à partir de la station, on va aller là et on va faire le tour comme ça. On pourra prendre celui-là. Ça semble un bon plan. Oui. C'est pas loin, hein. Alors c'est quelle station? Celle des routes oubliées? En avant. On va prendre le banc au cas où. Mettre à jour la carte avec la petite zone qu'on a découvert. Alors, je sors, je vais en haut à gauche, à droite, pardon. Compliqué, je continue à droite et ensuite je vais en bas. Ça marche. Ok, cool. Nice, nice, nice. Bon, il y a des chances quand même qu'on aille chercher toutes les larves. Au moins qu'il y en ait des particulièrement retorses, mais... maintenant qu'on les a sur la carte, j'ai bien envie de... de les aider, mes amis larves. Puis ça nous fait découvrir des... des zones supplémentaires plutôt stylées, donc c'est pas mal. Une bonne idée. Ok, ah bah oui, je me souviens de cet atelier où j'avais dit, bah non, je sais pas comment faire. Hop. J'avais pas encore... que j'avais pas encore d'ailleurs. Le double saut, je crois. J'avais le dash, mais j'avais pas encore le double saut, il me semble. Énorme. C'est trop plaisant. Donc dans cette zone, en route oubliée, on a tout. Plaisir. On va peut-être rendre visite à elle, là, voir si elle a des trucs à vendre. Je serais étonné, mais... sait-on jamais. On va aller voir. J'essaie de faire ça vite. Iou. Hip. Ok, 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 énorme. Là, et c'est par ici.
Alors. Parce qu'elle aurait un truc en stock, je sais pas. Ah oui, il y a encore un truc en stock ici. J'avais peut-être pas assez de charme pour l'acheter. C'est un emplacement de charme, c'est cool. Ma bénédiction. Ceci est un objet très spécial pour ceux qui aiment les charmes autant que moi. Lorsque tu auras 40 charmes, et donc il m'en faut 10 en plus, je te le vendrai avec plaisir. D'accord. Ça coûte pas très cher, mais il faut avoir 10 charmes supplémentaires. Attendez, mais 40 charmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'imagine qu'il faut finir lui. Il faut tous les charmes du jeu, en fait. Ouais, bon, ça, j'y crois moyennement, quand même. Mais c'est cool que ça existe. On va remplacer longue lame par... arc de respect, du coup. Pour un maximum de plaisir. Maintenant que nous sommes ici, on va aller sur la droite. On monte un petit peu, aller sur la droite, comme ça on va arriver dans le repos éternel. On passe le lac bleu. On monte, et puis il y en a un là. Il y a peut-être un mur à péter ici. Que j'aurais pas vu. Ça me semble pas mal. Ah oui, mais vas-y pour monter quoi. Avec le double saut. Bien timé. Ok. Repos éternel donc. Je peux juste faire ça et c'est bon. Ouais, il est bien considéré dans cette zone. C'est vraiment cool que ce soit considéré dans une zone donnée et qu'on puisse le voir du coup sur la carte de cette zone. Ça permet de bien ranger. C'est bon, ah, c'est un œuf. C'est machin qui file les œufs là, qui font ce bruit là. Ouais, c'est le fabricant d'omelette là, ouais. Fait ce bruit. Je l'ai pas pété ce truc là. C'est trop bien, on fait des particules d'eau. T'es vivant, toi. À quel endroit paisible, c'est de l'action que je veux, des combats, de brutes et fatales, cette sérénité d'un ennui. Ben, j'ai trouvé le Colisée, mec, hein, je t'y avais pas vu. J'ai vu Zot. Mais c'est tout. Ouf. Bon, les œufs, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais si j'en ai un gratos, ça... pourquoi dire non, quoi. C'est mon œuf. Ok. Faut pas que je fasse ça, faut que je fasse ça plutôt. Là ici, faut que je monte. J'imagine. J'ai bien imaginé le bon... la bonne entrée. Je sais qu'il y a un rebord, donc ça sert à rien que je fasse le dash. Mais là, je peux le faire. Ok, du coup, est-ce qu'on a un truc pareil? Ah! Hé hé! Quelle arme! Oh non! C'est les gens Louis qui courent là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça rase. Je vais bien. C'est dégueulasse. Attention, ça va me sauter dessus, ça. Non. Ça me saute pas dessus. Ok. Ok, on a le pote qui est ici. Zone de mort. Ah, des failles encore. Failles dans le système. Et s'il y a un truc qui remonte. J'ai pas encore ma larve. Mais c'est une zone complète ici. Bon, moi je m'alarme. Bon, c'est pas le commencement. Pfiou.
Ok, ça prend 3 coups. Ça t'est sauvé. C'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie. Salut. Avec amitié. Ok, donc on a une sortie et ça continue de l'autre côté. Et ici on a une sortie. On revient là. Ok. Ok, très bien. Il y avait un autre truc en l'air, non? À un moment donné. Je pouvais péter, oui, ici. Là. Oh, gaffe, hein. Petite fissure un peu partout. Énorme. D'accord, on a un objet cette fois. Un saut d'Alonest. C'est vraiment la zone foufouillée, quoi. Foufouillée. Là, je pense qu'on est bon. Cette partie-là. Donc là, on avait la sortie vers le haut. J'ai encore des trucs à faire sur la droite. Où là? Ah oui, non, d'accord, ça c'est l'entrée, justement. Ok. Donc c'est par là que j'ai une autre sortie. Au milieu, j'ai rien loupé. Je serai vérifié vite off. Non, ça c'était là où il y avait de la larve. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est par checker la sortie. Hop. Ok, donc là on est dans un tout autre décor. Bonjour. Tiban, on va pouvoir mettre à jour la carte, ça fait plaisir. Hi. Ok. Une maison. Bonjour. Oh. Ah, Mihon. Ce monde, coupable et cruel. Pourquoi elle se réveille et pourquoi elle persiste? Ah, le maire. Tu ne peux connaître une tragédie aussi complète qu'elle. Des amours séparés, des amoureux même. Deux mondes qui ne pouvaient pas se rejoindre. Et maintenant, Meledamant, mort il y a si longtemps. Mort si loin, enterré, Moïna. Oui. Parmi ses propres haineux qui ont rejeté notre union, qui l'ont rejeté au dehors du nid, elle ne suppose pas Nal. Peut-elle demander? Peut-elle donner fardeau? Le maire, peux-tu déposer un cadeau sur sa tombe? Le cadeau est peut-être petit, mais la marche est longue. Il repose en paix avec ceux de son espèce, près du refuge luxuriant de notre reine. Une telle chose peut-elle être faite? Elle demande peut-être une chose impossible, chose folle, pour le maire d'entreprendre une telle quête. Là serait un geste de bonté qu'elle a presque oublié. Accepter le cadeau. Ouais. Fleur délicate. Rare bénédiction que tu accordes là, le maire. Ce sera sa dernière requête. Après cela, jamais elle ne placera de fardeau sur un autre. L'offrande est une fleur sacrée. C'est un objet rare et délicat, unique en son genre. Tu dois la chérir, comme s'il s'agissait de ton propre cœur. Si tu devais te blesser pendant que tu la portes, ou que tu essayes de te servir de ces bêtes de transi chaotantes, elle sera détruite à jamais. Sa tombe se situe au milieu du domaine luxuriant de la reine. C'est encerclé par ceux de son espèce, et ils ne verront pas d'un bon œil ton intrusion. Sois prudent, le maire. Elle place tous ses espoirs en toi et souhaite avec ferveur que ce petit réconfort se réalise. Mais ça, je vais jamais y arriver. Nemeno, aiguillon et griffe. Pourquoi doivent-ils en être ainsi? Non, mais ça, je vais jamais y arriver. En gros, ce qu'elle me demande. Regardez, j'ai une fleur. Une fleur délicate, remise par l'endeuillée grise dans le champ du repos éternel.
Elle vous a demandé de la déposer sur la tombe de son amant, la mante religieuse, dans les jardins de la reine. Donc c'est très certainement le cadavre qu'on avait vu sur la butte luxuriante. Pas de souci. La fleur est très fragile, elle sera détruite, toujours et à jamais, si vous prenez des dégâts, ou voyager en empruntant les tunnels de coléoptères. Donc je peux pas me TP et je peux pas prendre un seul hit. En faisant le trajet donc, de ici. On traverse tout ça. Faut qu'on aille, qu'on traverse encore, faut qu'on aille, genre on fait comme ça là, pouf, pouf. Ah j'ai pas fait ce passage là d'ailleurs, faut que je le fasse. Donc pouf pouf, on arrive là, et faut que je passe comme ça. Jamais je me fais zéro hit sur ce trajet quoi. Clairement, je suis désolé hein, mais bon, j'ai pris le cadeau pour rien là. Ah, au moins on aura été gentil. Ah oui. Oui, il y a des pièges. Oh. Ok, ici on a un truc. Journal d'un voyageur. Il y a un autre objet encore à récupérer, probablement en haut. Bonjour. Mangeur d'âme. C'est un charme. Ça prend 4 emplacements, l'artefact oublié d'un chaman. Utilisé pour absorber l'âme de créatures encore vivantes, augmente considérablement la quantité d'âme régénérée en attaquant un ennemi avec l'aiguillon. Fort sympathique. Avec ces deux trucs là, je pense qu'on a pris ce qu'on pouvait dans cette zone. On va partir, on va aller vers la station de coléoptère. Non mais parce que je vous le dis, la fleur, c'est mort. Clairement. Quoique. Je pense que c'est mort, mais je serais assez tenté d'essayer. Donc là, il y avait la chenille, mais du coup, ça veut dire... Ah non, c'est bon. Hop. Ah non, c'est pas la bonne sortie, mince. On va dire que tant que je me fais pas toucher, on tente. Parti. Je sais plus par où faut aller par contre. Enfin, c'est encore par là. Ok, on est sorti de ce truc là. La tentative. Par contre, si je loupe, je sais pas plus. Hein. Ah, mais par contre, je peux peut-être prendre le tramway. Ils m'ont dit, j'ai pas le droit au coléoptère, mais j'ai peut-être le droit au tramway. Le tramway, ça me permettra d'aller directement sur les routes oubliées. Très bien, c'est parti. Le tramway c'est plus loin par là. Mais je sais plus s'il y a des ennemis par là donc on va faire gaffe. Ok. Et c'est passé à 38. En vrai il n'y avait pas un autre tramway que je pouvais prendre qui me permettait de faire. Le tramway il est à l'autre bout du monde. Donc non, clairement pas. Ok. Maintenant qu'on est là, faut que j'aille vers Broom Canyon. Je pense que c'est le plus court. Parce que sinon, faut que je fasse un détour par vers chemin. Donc, Broom Canyon. Faut que j'aille vers le. Non, vers le haut. Faut que j'aille vers le haut. Faut que j'aille tout droit. Si tant est qu'il n'y ait pas des murs. C'est le truc un peu chiant. Sinon, je vais tout en haut, parce que je sais que tout en haut, c'est pas obstrué, hein, et après, je redescends. C'est moins dégueulasse. Je peux tenter ça.
Heureusement, j'ai une range de malade.